Dieu a mis l'âme, il est grand là. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu admirable, inébranlable, incomparable, magnifique en sainteté, très digne de louange, opérant des prodiges. Personne ne peut se comparer à toi en beauté, en fidélité, en puissance, en gloire, en éclat, en beauté, en perfection, en sagesse, en intelligence et en discernement, en créativité et en magnificence. Nous sommes fiers de t'appartenir, nous te célébrons, nous te souhaitons la bienvenue, magnifique présence de Dieu, en ce lieu et la prépondérance, et la souveraineté, et la domination, sois souverainement élevé, Dieu, de ce que tu vis en nous. Merci de ce que par ton sang tu nous as rachetés. Merci de ce que tu nous as délivrés de la puissance, de l'emprise du royaume de ténèbres pour nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Merci de ce que tu nous as fait intégrer et greffer à la race de la nouvelle création. Merci pour ta présence en nous. Tu es la différence. Et ce matin, nous te supplions, fais la différence. Étends ta main. Que Dieu réveille la foi, réveille l'audace. Que Dieu ce matin, nous te bénissons. Sois la mandelée. Ce matin, Père, nous voulons nous accorder pour te rendre honneur, louange et gloire en disant, en nous mettant d'accord.
ce matin, qu'il y ait fusion entre les cieux et la terre, que la tangibilité de Christ soit manifestée au milieu de nous. Réveille la foi, réveille l'audace, la ténacité, le courage, la force de ce pléon. Ce matin, connecte-nous et que nos êtres entiers se mettent au garde à vous. Tous les anges, l'univers crie sa majesté. L'univers ce matin, chaque jour, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange. Force et louange. Oh, ce matin, nous voulons nous mettre d'accord avec l'armée des cieux et reconnaître moi. Permets-nous de t'offrir l'adoration qui t'est due. Connecte nos cœurs, connecte nos cœurs. Synchronise-nous sur la fréquence divine. Conquiers-nous, aligne-nous sur la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Connecte-nous, focalise-nous. Focalise-nous sur ton cœur, ô Père. Embrase-nous, réveille notre esprit. Embrase-nous par ton feu divin. Réveille la foi, réveille l'audace. Guéris nos cœurs et vivifie nos corps. Nous te supplions, nous nous humilions. Nous reconnaissons notre incapacité sans toi. Nos sources sont en toi, nous dépendons de toi. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, tu es désiré, tu es imploré, et dans ta main onction de Dieu, du sommet de la tête à la plante des pieds, consume-nous par ton feu divin. Enivre-nous, passionne-nous, monte à l'intérieur de nous, nous te supplions. Enivre-nous, convertis nos cœurs, sature et déborde les vases que nous sommes. Rends-nous embrasés, rends-nous consumés, accorde-nous la grâce de te connaître. Nous te supplions, Père, nous te implorons, accorde-nous la grâce de connaître Christ. Ô Christ, vis-nous, ô Christ, exprime-toi, ô Christ, capture et captive nos cœurs. Oh, nous te supplions, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité de le faire. Bâtis cette église, glorieuse et victorieuse, resplendissante et merveilleuse. Nous te supplions, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas superficiels ni légers, non, non. Nous te supplions. Chant, non, non, nous ne voulons pas faire seulement chanter, mais permet que nos êtres entiers se mettent au garde à vous devant l'agneau qui a été immolé, devant le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, l'étoile brillante du matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'honorer en esprit et en vérité, de t'adorer et d'être connecté à ton cœur, Père. Nous te supplions, nous te supplions, délivre-nous de la superficialité, oh, inonde-nous, connecte-nous, synchronise-nous sur toi, nous te supplions. Entiers se mettre au garde à vous devant ta parole et devant ta présence. À
allégeance. Honneur-moi, préminence, souveraineté à l'intérieur de nous. Adoration, contemplation, ferveur et zèle, dévotion, consécration, circoncision de nos cœurs. Les ténèbres reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres. Et à reconnaître que les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. J'annonce que les ténèbres sur nos vies, les ténèbres ont reculé. C'est ce qui nous a emmené à l'expérience de la nouvelle naissance devant l'œuvre de l'agneau, devant l'agneau immolé et devant la puissance du sang. Merci pour moi. Je déclare dans ma vie les ténèbres. Le sang versé pour moi.
sang versé, mais le sang versé pour moi. Devant le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, mais le sang versé pour moi. Le sang qui m'a protégé de l'exterminateur, le sang versé pour moi. Le sang qui contient la vie de Jésus, et le sang versé pour moi. Devant le sang qui a vaincu le diable, et le sang versé pour moi. Devant le sang versé, le sang versé à chaque fois qu'à la fin de pour moi. Merci pour le sang versé pour moi, et le sang. Élever la voix, remercier Dieu pour le sang versé. Pour nous juste élever la voix, que tu sois au loin, que tu sois prêt, connecté à Internet. Prends le temps, prenons le temps d'élever la voix et de remercier, de célébrer le sang versé. Merci pour le sang versé. Merci pour le sang de la rédemption. Merci pour le sang versé à la croix. Merci. Merci. Et le sang, et le sang, et le sang. Seigneur, nous avons soif de toi. Donne-nous de te connaître. Donne-nous de te connaître.
Seigneur, 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 me voici assoiffé, assoiffé de ta présence. Abba Père, Abba Père, Abba Père, entends mon cri, celui de la délivrance, celui de la délivrance. Je veux, je veux, je veux ta Je veux ton amour. Afin de devenir Semblable à toi. Que ma cour déborde, que mon cœur soit rempli. Viens pas un chant, mais que ce soit un appel à l'aide. abondamment bien au-delà, fais-le, je te prie. Infiniment abondamment bien au-delà, fais-le, je te prie. Fais-le, 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 je te prie. Au-delà des mots, au-delà des paroles, fais-le, je te prie. Au-delà de nos mélodies, aide-nous, Seigneur, à te connaître. Seigneur, exprime-toi en nous. Seigneur, réveille notre foi. Seigneur, possède ses pas. Seigneur,
envahit nos cœurs. Seigneur, fais comme tu désires. Seigneur, fais ce que tu désires. Seigneur Christ, respire en nous. Et sois le seul à vivre en nous. Infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, Père, par ta puissance qui agit en nous. Nous te supplions que le sceau, le cachet, le tampon de l'approbation divine soit sur ce culte, qu'il te soit agréable, nous reconnaissant nos incapacités, mais nous reconnaissons et proclamons ta capacité en nous. Et au milieu de nous, onction de Dieu, magnifique présence de Dieu, fais la différence. À toi, Dieu notre Père et Jésus notre Roi, nous rendons louange, honneur et gloire dès maintenant et dans toutes les générations. Fais-le, je te prie. Fais-le. Je te prie, nous te supplions, fais-le, assieds ton règne, assieds ton influence, assieds ta souveraineté au-dedans de nous. Je te prie, infiniment ou abondamment, fais-le, je te prie.
We thank you. We bless you. À ta grâce, nous nous recommandons. Nous sommes ici pour toi, que les rassemblements des nations, aujourd'hui et chaque jour, soient pour le roi, pour ton plaisir. Nous honorons et nous accueillons ta présence. Esprit de Jésus, tu es le bienvenu au nom de sa majesté. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, l'une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Bienvenue à vous qui êtes connectés avec nous en communion sur Internet, à vous qui êtes loin, à vous qui êtes prêts. Bienvenue à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Venez vous asseoir dans sa présence. Il y a quelqu'un, il le fera certainement. Dis-lui, je verrai éclater sa gloire. Je verrai éclater. Je verrai éclater sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Alors avant de commencer, je voudrais juste répondre à une question que beaucoup se posent. Mais que signifient donc ces écharpes rouges? Je voudrais juste vous rassurer qu'il n'y a pas d'esprit de jalousie. Les écharpes rouges représentent les personnes qui appartiennent à la famille, à la catégorie des 1000 piliers, des personnes qui se sont engagées à soutenir ce projet de déménagement, d'aménagement vers notre prochain campus central. Donc si tu vois quelqu'un... Alors il y en a, c'est vrai, qui n'ont pas eu leur écharpe parce qu'ils n'étaient pas là hier, donc qui auraient dû l'avoir à la fin de ce service. Va prendre ton écharpe. Si tu as contribué pour les 1000 piliers, c'est-à-dire avec la mention spéciale sur ton offrande, 1000 piliers. Si tu ne l'as pas, ne sois pas jaloux envers ceux qui l'ont. Tu peux toi aussi décider d'aller de faire une offrande spéciale pour les 1000 piliers et recevoir ton écharpe. Je réprime l'esprit de jalousie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. J'ai pas entendu. Aujourd'hui, je voudrais donner une parole courte. Et je voudrais dire des choses que plusieurs d'entre nous savons déjà. Et nous en sommes pleinement conscients. Mais beaucoup n'en sont pas encore conscients. Et comme disait le pasteur Karambiri la dernière fois, la parole du dimanche, on l'a juste parfois au niveau de ceux qui n'ont pas encore tout compris, afin d'amener tout le monde au même niveau. C'est comme ça qu'on fait en classe. Il y en a qui sont redoublants. On fait, pas redoublants, mais ceux qui ont du mal à comprendre, on s'assure que tout le monde comprenne. Voilà pourquoi on prend le temps de revenir sur les mêmes choses. Ce n'est pas qu'on ne veut pas passer, plus, on ne veut pas aller de l'avant. C'est juste que le Saint-Esprit nous convainc de revenir et de faire asseoir encore les mêmes vérités et les mêmes réalités jusqu'à ce que ça rentre et qu'un peuple soit levé pour Dieu dans cette génération. Je n'ai pas entendu amen. Aujourd'hui, je voudrais juste nous interpeller, t'interpeller toi et moi, parce que nous vivons dans le monde, mais nous savons que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut. Et je voudrais juste nous amener à réaliser à quel point nous sommes en train de parler dans notre série, nous sommes toujours sur notre voyage, combattre pour posséder notre héritage en Christ. Et je voudrais juste nous amener à réaliser à quel point le combat spirituel est une réalité. Ça sera le titre de mon message. Je veux juste faire bref. Enfin, vous savez, quand je dis bref chez moi, que Dieu nous conduise. Amen. La semaine dernière, nous sommes revenus, et je vais encore revenir dessus, nous avons réexpliqué pourquoi il est indispensable de mûrir, c'est-à-dire de marcher par l'esprit, c'est-à-dire encore de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs et de devenir l'artisan de la rééducation ou encore la restauration de son âme.
On l'a dit, on ne le dira jamais assez. Avoir une âme restaurée, c'est-à-dire mûrir, est indispensable pour expérimenter une vie chrétienne de victoire. Une vie transformée dépend du niveau de transformation ou de restauration de ton âme. 3 Jean chapitre 2 dit, il dit ceci, l'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Donc, on l'a déjà dit, on le redit, on ne le redira jamais assez. Le niveau de ta prospérité globale, le niveau de ton bien-être ne dépassera jamais la prospérité, le niveau de prospérité de ton âme. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle du cœur. Dans ce contexte-là, on parle du cœur. Tu ne peux pas prospérer au-delà de l'état de ton âme, dans tous les domaines, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé. Tu ne peux pas prospérer au-delà de la prospérité de ton âme. Et nous avons dit que l'âme est la forteresse, l'enjeu du combat spirituel. Nous avons dit que l'âme est le volant. On a comparé l'être humain à un conducteur qui est l'esprit, qui tient un volant qui s'appelle l'âme et qui habite dans une maison qui s'appelle, dans une voiture qui s'appelle le corps. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise amen. Amen. Le niveau d'impact et de transformation de ta vie ne dépassera pas celui de ton âme. Et on a dit que l'âme, c'est la forteresse intérieure. L'âme, c'est la tour de contrôle. L'âme, c'est le centre de commandement stratégique et névralgique que tout le monde doit détenir. S'il veut tenir ta vie, il faut prendre le volant. Et on a dit que le conducteur, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit. Mais le volant, c'est l'âme. C'est de l'âme que vient le mouvement. Pour donner une trajectoire à ta vie, il faut contrôler ton âme. Voilà pourquoi l'âme ou encore le cœur est l'enjeu du combat spirituel. Dieu demande ton cœur et Satan essaie d'arracher et d'attraper. Dieu est un gentleman, Satan est un brigand. Dieu ne prend pas ton cœur sans ton consentement. Mais Satan est capable de prendre ton cœur sans ton consentement. À quoi tu le sais? Tu le sais quand tu regardes dans ton cœur et que tu vois cette amertume, et que tu vois cette culpabilité, et que tu vois ce rejet, et que tu vois cette impureté, et que tu vois cette convoitise qui est en train de prendre possession de ton cœur, alors qu'en réalité, tu n'avais pas envie d'en arriver là. Tu n'avais pas envie que ton cœur soit possédé. Qui a envie d'être esclave du péché? Qui a envie d'être esclave de la drogue, des perversions, de toutes sortes? En réalité, personne. C'est juste la preuve que Satan, qui est derrière ces choses, est capable de prendre le cœur sans ta permission. Mais Dieu te demande toujours la permission. Et il frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, si tu ouvres la porte, j'entrerai. Si tu n'invites pas, je n'entrerai pas. Mais l'enjeu du combat spirituel, c'est le contrôle de la forteresse, de la tour de commande, qui est l'âme ou encore le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la Bible dit « garde ton cœur » ou encore « garde ton âme » plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce qui va affecter ta destinée, si je dois fabriquer ton futur, je dois prendre d'abord le contrôle de l'âme. Voilà pourquoi on ne parlera jamais trop de l'âme, parce qu'on en parle tout le temps, mais quand tu sors de l'église et que tu entends les gens parler entre eux, ça, je ne pardonnerai jamais. Il y a quelqu'un que j'en veux à mort. Je lui en veux à mort. Je l'en veux à mort. Tu te dis, dis donc, elle sort de l'église. Ça veut dire que, mon gars, le contrôle de l'âme, là, ce n'est pas un acquis. On n'en parlera jamais assez. Parce qu'après les alléluia et les amen, il y a la réalité. Bon, là, tu peux quand même dire amen. On a dit que dans l'âme, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a la volonté. L'âme est le siège des sentiments, de la volonté, des pensées, de l'éducation, et également des habitudes. Les habitudes s'assiedent dans l'âme et forment dans l'âme comme une espèce de moule. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un s'il n'arrive pas à impacter son âme et à la restaurer. Et personne, à l'exception de Jésus, qui est né sans péché, personne, aucun être humain n'est né n'est venu au monde avec une âme déjà restaurée. Personne n'est venu au monde avec une âme déjà restaurée. Ça veut dire avec les sentiments de Christ, avec la pensée
de Christ, la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu déjà naturellement imprimée et prêt à faire la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Personne n'est né avec des dispositions naturelles et innées pour la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tout le monde doit passer par le reformatage que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Selon qu'il est écrit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Personne n'est né avec une âme restaurée, pour la simple raison que toi et moi, lorsque nous sommes nés, nous tous, nous sommes nés Adam. C'est à la nouvelle naissance que nous sommes devenus Christ. Tout le monde est né Adam. Or, Adam est pécheur, né dans le péché, parce que tous ont péché, dit Romains 3, verset 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et dès lors qu'ils ont péché, le péché est venu habiter, est venu se localiser, se domicilier, où ? Dans la chair. Ça veut dire que tout le monde, depuis l'enfance, a été donc bombardé par la chair avec ses passions et ses désirs. Tout le monde, dans son enfance, a expérimenté jalousie, envie, querelle, critique, impureté, vol, rivalité, même quand on était enfant. Ce n'était pas du voleur, c'était pas du voleur professionnel comme ton voisin. A tendance à faire aujourd'hui. C'était petit vol, on pique un bonbon. On pique un paquet de biscuits et quand on dit « Qui a pris le paquet de biscuits ?» Et ils se regardent tous « Hein ? C'est qui ?» Qu'est-ce que j'essaie de dire ? J'essaie de dire que ton âme ou ton cœur, à nous tous, chacun d'entre nous, a été accablé, oppressé, bombardé depuis l'enfance par l'inquiétude, par l'angoisse, les différentes formes de peur, la culpabilité, en fonction de ce que tu as vécu. Le rejet, la haine, la colère, les impuretés, immoralité sexuelle, envie, jalousie, ivrognerie, toutes les formes de dépendance. Tout le monde a été exposé à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde a été exposé à ça. Voilà pourquoi tout le monde a besoin que son âme soit restaurée. Parce que ses passions et ces désirs de la chair que Paul mentionne dans Galates 5, versets 19 à 21, qu'est-ce qu'elles font? On l'a déjà dit, c'est une révision. En même temps, je dis c'est une révision, mais je sais qu'il faut le dire. Ce que font ces choses, elles blessent la jalousie, l'envie, l'amertume, la colère, la culpabilité, le rejet, la peur, l'inquiétude. Que font ces choses? L'immoralité, la convoitise. Que font ces choses? Elles blessent, elles agressent, elles meurtrissent, elles bombardent ou encore elles brisent l'âme, c'est-à-dire le cœur. Et c'est ça qui engendre ce que Jésus appelle des cœurs brisés. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la bonne nouvelle, Luc chapitre 4, verset 18, c'est que Jésus est le restaurateur des cœurs brisé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit ce qui a brisé, cogné, frappé ton âme depuis ton enfance, au point de créer des trous à l'intérieur, Jésus est le restaurateur et le guérisseur des cœurs brisés. Dis-moi amen. Est-ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu es l'artisan, tu es toi-même l'artisan de la restauration de ton âme, ou alors tu es l'artisan du prolongement de la souffrance de ton âme, parce que Dieu ne peut pas restaurer ton âme sans ton consentement, sans ta coopération. C'est toi qui dois te faire violence, c'est toi et moi qui devons nous faire violence afin d'être les acteurs de la restauration de nos âmes. Et en fait, c'est exactement en cela que concerne la cure d'âme. Dis avec moi, cure d'âme. Tout le monde parle de la cure d'âme. On utilise tous le même mot, mais on ne sait pas toujours de quoi on parle.
Il y en a qui pensent que la cure d'âme, alors je rencontre des gens qui me disent, je n'ai pas encore fait ma cure d'âme. Sous-entendu, quand je vais faire ma cure d'âme là, ça va aller, là c'est terminé. Oui, tu as raison, quand tu vas faire la cure d'âme, mais sauf que, en fait, lui dit ça parce qu'il pense à un entretien. Il me faut un entretien de cure d'âme pour que ça aille mieux. Quand j'aurai l'entretien de la cure d'âme, ça changera. Je ne te dis pas que la cure d'âme n'est pas utile et que l'entretien n'est pas utile. Mais que ce n'est pas un entretien de cure d'âme qui va changer, qui va guérir ton âme. Quelqu'un me dit, ah bon? Donc, il faut annuler les rendez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la cure d'âme. La cure d'âme, ça veut simplement dire la guérison de l'âme. Une personne a été abusée et les parents disent, ah, il faut qu'elle aille voir un pasteur pour faire la cure d'âme. Ce n'est pas mauvais d'aller voir le pasteur, tout comme ce n'est pas mauvais, si tu ne crois pas en Dieu, d'aller voir le psy. Quelqu'un me dit amen. Sauf que ce soit le pasteur, le leader, le responsable ou le psy, il ne peut pas guérir ton âme. Ce qu'il va faire, c'est de t'aider par un entretien à découvrir ce qui a bombardé ton âme, ce qui a frappé. Quelles sont les circonstances de ta vie à travers lesquelles ton âme a été brisée, frappée, meurtrie? Ça, il va t'aider. Encore que si tu as le Saint-Esprit en toi, parce que l'incroyant, je comprends, mais si tu as le Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit t'enseigne. En réalité, tu n'as pas besoin d'un entretien avec moi pour découvrir que tu as un problème de manque de pardon. Tu le sais déjà. Ok, pardon, tu n'aimes pas l'illustration. Tu n'as pas besoin d'un entretien avec un pasteur pour découvrir que tu as un problème avec la masturbation ou l'adultère ou la convoitise des femmes ou des hommes d'ailleurs. Tu le sais déjà. Tu sais que tu as un problème avec le rejet. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas une personne qui va... Même le psychologue ou le psychiatre ne va pas guérir ton âme. Au mieux, il va te payer, et tu vas le payer et puis il va t'écouter. Et puis, tu sais ce qui va arriver? Tu sais à quoi conclusion il va arriver? Vous devez pardonner. En fait, tu le savais déjà. Tu le savais déjà. Ce que j'essaie de dire, c'est que, quelle que soit la personne, il ne peut pas guérir ton âme. Celui qui guérit l'âme, c'est le Saint-Esprit. Il guérit comment? Il guérit à l'aide de la parole. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui va guérir ton âme, c'est lorsque toi, tu vas décider, au-delà des entretiens, d'obéir à la parole de Dieu. Parce que pour que ton âme soit restaurée, la clé, ce n'est pas un entretien, c'est l'obéissance à la parole. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Recevez la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez-la en pratique, cette parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver ou encore de restaurer vos âmes. Alors il te dit que ce qui sauve, qui restaure ton âme, c'est l'obéissance à la parole. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu contribues toi-même de manière active à la restauration de ton âme lorsque tu décides d'obéir à la parole de Dieu ou encore aux principes de Dieu ou encore aux lois divines. Tu décides d'être acteur de la restauration de ton âme lorsque tu décides d'aimer et de ne pas haïr. N'importe quel expert te dira que l'amertume ou la haine te détruit et te ronge, même quand il ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle, appelée la loi de l'amour, qu'il te demande simplement de respecter. Alors tu contribues à la restauration de ton âme lorsque tu décides de prier pour ceux qui te maltraitent. Tu contribues à la restauration de ton âme lorsque tu décides de bénir, de dire du bien de ceux qui disent du mal de toi. Même quand ta chair a envie de se venger et de dire tout le mal que tu penses, tu décides de dire le bien. Tu contribues à la restauration de ton âme lorsque tu décides d'honorer ton père et ta mère, même quand il t'a fait du mal.
et que tout en toi a juste envie d'aller dire, va voir ailleurs. Mais tu décides de parler avec respect et révérence. Tu décides de restaurer ton âme lorsque tu décides de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Au début, c'est difficile. Tu décides de restaurer ton âme lorsque tu choisis et que tu décides, pardon, tu contribues à restaurer ton âme lorsque tu décides de rendre grâce à Dieu en tout temps. Quel que soit ce qui arrive, tu apprends à chanter. Tu apprends à rendre grâce à Dieu. En toute chose, rendez grâce à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Au départ, c'est difficile de rendre grâce. C'est difficile. Au mieux, il y en a qui disent, dans les épreuves, merci. Et puis continue. Non! Il faut que l'action de grâce, là, ce n'est pas juste merci. Il faut que le merci pénètre ton âme et bombarde ton âme, parce que ton âme a tendance dans les épreuves à devenir amère et frustrée et à accuser Dieu. Alors comment on discipline l'âme? On ne dit pas juste merci. On chante. Parce que quand tu chantes, c'est la meilleure occasion de faire descendre dans ton cœur ce que tu entends. Ce que tu veux faire. Tu peux guérir toi-même. Tu peux être acteur de la restauration de ton âme juste en décidant de faire ce que Dieu demande. Alors, quand tu décides de rendre grâce, par exemple, et de chanter au sein de l'épreuve et de l'affliction, c'est difficile au départ. Mais à force de le faire, à force de cultiver l'habitude de rendre grâce et de célébrer et de chanter et de bénir le nom du Seigneur, à force de prendre l'habitude de chanter un chant nouveau, selon les paroles qui te viennent à cœur, juste apprendre à dire merci. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Ô Éternel. Reçois, 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 reçois. Pour ce que tu permets, pour ce que tu permets, tu es le Dieu de perfection. Tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Reçois ma gratitude, reçois ma gratitude, reçois, Père, toute ma reconnaissance. Je ne comprends pas tout, mais je te dis merci. Pour ta fidélité, pour tes bienfaits, Seigneur, car à jamais je dis que tu es bon. Je proclame ta bonté, une voix me dit à l'intérieur, une voix me dit, maudit Dieu et meurt, mais non, 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 non. Je proclamerai, reçois honneur et gloire, pour ta sagesse, pour ta perfection. Pour ta fidélité, pour ta justice, pour tes bienfaits, pour ce que tu me tiens dans le creux de ta main, je ne serai pas confondu, alors que j'espère en toi, mon Rédempteur, je le déclare que tu vis. Dans la confusion, lorsque je ne sais pas que dire, je déclare et je décrète au Père que ta fidélité parlera et parlera au final. Je verrai éclater ta gloire. Cette situation n'est pas pour la confusion. Non, 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 non. Elle est afin que tes œuvres soient manifestées. Alors je refuse de maudire Dieu. Je refuse de t'accuser. Je proclame que tu vis à jamais. L'agneau est toujours sur le trône, tu n'as pas déménagé, tu règnes au Père d'éternité. D'éternité, Seigneur, et en éternité, je verrai éclater ta gloire. Quiconque espère en toi ne sera pas confus lorsqu'on tourne vers toi les regards. Ta
parole déclame, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, non, non. Alors certainement, je verrai manifester ta fidélité, Père, et ta gloire. Je te loue, je proclame ton nom, je t'exalte, je te célèbre. Non, je ne serai pas confus, tu tiens ma vie entière, tu tiens ma destinée, ma postérité, mon histoire, dans le creux de ta main. Voilà ce qui me remplit d'assurance, celui qui en moi a commencé cette belle œuvre, la rendra parfaite. Il la rendra parfaite, tu la rendras parfaite. Parce que dans ta parole, tu as déclaré que tu fais tout à merveille. Tu ne fais pas tout à moitié. Alors je dis à mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Non, non, ça serait faire mal. Ça serait commettre une erreur. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas triomphé. Non, non, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est déjà fini. Je verrai, je verrai, je verrai. Je verrai, je verrai, je verrai. Je verrai, je verrai, je verrai. Alors reçois ma gratitude, reçois mon action de grâce. Une voix me dit de te maudire et de questionner ta fidélité. Mais non, dans le nom de Jésus, je bénirai ton nom dans l'assemblée des rachetés. Exalte l'Éternel, toi mon âme, bénis Dieu, exalte son nom. Sa fidélité parlera, sa parole parlera. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Non, jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Non, non, je ne serai pas confondu. Je ne suis pas abandonné. J'ai été sélectionné, positionné, placé en Christ avant la fondation du monde. Il me connaissait déjà, il m'avait déjà appelé dans son immense bonté, dans sa préscience. Oh, je ne serai pas confondu. Voilà pourquoi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque tu fais ça, Satan dit, mais non, Satan dit, mais non. Le but, c'était qu'il déprime. Apprendre à rendre grâce à Dieu en tout temps. Au début, c'est difficile parce qu'il y a des situations qui font que tu n'as pas envie de rendre grâce. À la limite, tu ne veux pas maudire Dieu, mais des fois, tu as juste envie de ne rien dire. Tu n'as même pas envie de dire, reçois la gloire. Dans quoi reçois-tu la gloire? Au début, c'est difficile. Mais tu vois, à force de le faire, tu as atteint un stade. Ou alors qu'au début, comme David, au début, c'était une lutte. Quand il dit dans le psaume 42, verset 6, David a connu ça. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis Dieu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme, arrête de t'abattre. Parce qu'il savait qu'il y avait une lutte à l'intérieur de lui. L'âme est capricieuse. Elle a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Elle a tendance à oublier. Vous avez remarqué comment l'âme est capricieuse? Il a fait beau. Il va faire beau pendant une semaine, plein soleil. Les gens sont heureux. Quand la semaine qui suit, il pleut tous les jours, les gens se plaignent. Et ils oublient de dire merci de ce qu'ils viennent d'avoir une semaine de soleil. C'est juste cette tendance à l'intérieur de l'homme à être ingrat. Et David dit, pourquoi t'as battu mon âme au dedans de toi, espérant Dieu, car je le louerai encore. Et je vais chanter, et je vais chanter, et je vais chanter. Et à force de cultiver l'habitude de chanter, David a atteint la dimension dans Psaume 34 au verset 2, où il dit, maintenant, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. À force de cultiver cette habitude de rendre grâce, même quand tu n'as pas envie de rendre grâce, tu vas atteindre un stade où rendre grâce deviendra spontané, deviendra naturel,
parce que c'est une habitude qui va s'asseoir désormais à l'intérieur de toi. Et là, dans ce domaine, tu auras contribué toi-même à restaurer ton âme. Hier, à la moindre frustration, vexation, mauvaise parole, mauvais traitement, tu sentais remonter en toi ce manque de pardon, cette colère, cette amertume. Et tu fais le constat de ce que c'est en toi. Comment tu fais pour restaurer ton âme? Restaurer son âme dans ce cas, c'est décider de prier pour les personnes qui t'ont fait du mal. Décider de lever la voix. Décider de prier pour dire, Seigneur, pardonne le mal qu'il m'a fait. Pardonne sa trahison. Pardonne pour cette personne qui m'a volé. Pardonne pour cette personne qui m'a blessé. Pardonne. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, elle sait ce qu'elle fait, mais en même temps, elle ne sait pas. Parce que s'ils savaient, si ces gens savaient les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le feraient pas. Ils savent, mais ils ne savent pas. Ils ont crucifié Jésus, ils savaient, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui il était. De la même manière, ils ne savent pas qui tu es en Christ. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Discipliner son âme, la rééduquer, c'est décider de pardonner. De pardonner. Même quand tu sais que la personne a fait exprès. Alors tu dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Je reconnais que cette personne agit de manière insensée, comme une personne folle qui a perdu tout son bon sens. Mais je demande pardon pour ce qu'elle a fait. Je demande pardon pour cette méchanceté. Pardon pour cette trahison. Ce qui va se passer, ce n'est pas que la personne va changer forcément. Ce qui va se passer, c'est que la colère dans ton cœur sera changée en compassion. Et là, tu auras contribué toi-même à restaurer ton âme. Quelqu'un me dit amen. Tu es l'artisan, l'acteur de la restauration de ton âme. C'est la décision d'obéir à ce que tu sens que ton âme n'a pas envie de faire, mais fais-le. Tu n'as pas envie d'être joyeux? Décide de produire la joie en chantant. Dis à quelqu'un, guéris ton âme. Et parfois, quand tu es engagé, quand tu as décidé de prendre ton âme, guérir son âme, c'est quoi? C'est prendre l'âme comme ça, tu prends le volant et tu dis, tu viens ici, on va là, on honore les pères et les mères, quel que soit ce qu'ils ont fait, on honore, tu parles bien de ton... Allez, quand tu vas, ma bouche là, quand tu vas t'ouvrir, rends grâce à Dieu pour ton père. Il n'a peut-être pas été un exemple, mais moi, il t'a déposé sur la terre. Bénis Dieu de ce que tu as là. Si tu cherches bien, tu trouveras toujours un motif de rendre grâce. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi encore amen. Dis à quelqu'un d'autre, guéris ton âme. Je sais que c'est Dieu qui l'a guéri, mais c'est toi qui prends la décision de collaborer, de coopérer avec le Saint-Esprit, ou de ne pas coopérer. Guéris ton âme. J'insiste dessus parce qu'avant de passer à l'étape suivante, si ça, ce n'est pas réglé, c'est compliqué. Tu vas passer ta vie dans les déserts. Le rejet, l'amertume, la culpabilité, la jalousie, l'envie, l'impureté, tout ça. Et ces choses sont en train de bombarder. Personne ne prend plaisir à avoir une âme, un cœur de ce style. Personne. Quelqu'un me dit amen. En faisant cela, tu permets à Jésus de te donner ce qu'on appelle du repos. Le repos de l'âme, où tu permets à Jésus de guérir ton cœur brisé. Il a dit, venez à moi, verset Matthieu 11, verset 28 à 29, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon âme et ton âme ont besoin de repos. L'âme est dans le repos.
lorsqu'il n'y a plus de traces des bombardements de la chair à l'intérieur. L'âme est dans le repos lorsqu'elle est remplie de quiétude, de paix. À la place de l'inquiétude, la paix. À la place de l'amertume, l'amour. À la place de la colère, la compassion. À la place de l'impureté, la sainteté. C'est une lutte. Restaurer son âme, mon gars, ce n'est pas un acquis. C'est un combat intérieur. C'est un combat que tu vas mener parce que tu sens que ta chair te pousse à résister, à ne pas obéir. Et parfois, quand tu vas vouloir restaurer, être l'acteur de la restauration de ton âme, il va arriver peut-être parfois que tu sens que tu commences à trembler. Est-ce que quelqu'un me suit? Une personne, une sœur avait l'habitude de pleurer pour tout. D'accord, elle fait une remarque, elle pleure. Ton riz n'est pas bon, elle pleure. Ton travail n'est pas soigné, elle pleure. Oh, pleureur professionnel, pleureuse, c'est quoi ça? Tout, tu pleures. Tout, elle pleure, pour tout. Dès qu'il y a quelque chose, pleure. La moindre remarque, elle pleure. Et puis un jour, je lui ai parlé. J'ai dit, mais... Parce qu'elle se plaignait de tout. Et moi, je lui ai dit, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est toi qui dois changer. Elle a commencé à pleurer. Oh, je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je dis, mais attends, mais c'est pas normal que tu pleures tout le temps comme ça. Dès qu'on te dit un truc, tu pleures. Et puis là, j'ai comme l'inspiration. J'ai dit, mais c'est pas naturel. C'est un esprit de dépression, ça. J'ai dit, c'est pas toi. Il dit, je suis comme ça. J'ai dit, non. This is a spirit. Il y a un squatteur. Quand il y a un squatteur dans la voiture de ton corps, quand tu commences, je lui dis, écoute, demande pardon à Dieu. Pour cette, tu pleures en désordre. Demande pardon à Dieu. Et puis renonce à cette tendance à la mélancolie, à l'apitoiement. Renonce. Il dit, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Et puis elle a commencé à dire, je renonce à la mélancolie. Elle a commencé à trembler. Je dis, ah, quand tu commences à trembler, ça veut dire qu'il y a un squatteur dans la place. Mais quand tu commences à trembler, ne sois pas effrayé. Parce que ce n'est qu'un squatteur dans la voiture. Le conducteur, c'est l'homme intérieur qui est lié au Saint-Esprit. Et Christ qui est en toi est plus grand que Satan qui est dans le monde. Dis-moi amen. Parce que des fois, tu vas sentir des luttes. On a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Le corps est là, tu n'as pas demandé à ce que le corps tremble, puis le corps... Hey, qui t'a dit que tu vas trouver mon corps? Quand c'est comme ça, frappe-le. N'est pas la peine d'appeler pasteur au secours, mon corps tremble. J'ai dit non, parle à la montagne, parle à ce squatteur. Et tu l'identifies par les œuvres qu'il manifeste. Si tu sens que c'est la mélancolie, tu parles à l'esprit de mélancolie, de tristesse. Si tu sens que c'est le rejet, parle à l'esprit de rejet. Tu lui dis au nom de Jésus, je ne t'appartiens pas. Désormais, mon âme, je l'ai donnée à Christ. Il est le maître de ma vie. Il est celui qui tient la commande. Tu n'as plus le droit de tenir la commande de mon cœur. Esprit de rejet, je te chasse de ma vie. Je te résiste. Tu te sors. Et là, dans ce cas-là, je t'autorise même à utiliser un vocabulaire grossier assez. Tu dis, tu dégages. Voilà. Quand tu dégages, tu vas dans les arides. Je ne suis pas à ton temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Lorsque tu contribues ainsi à la restauration de ton âme, fais la guerre. En fait, ce que j'ai envie de vous emmener là ce matin, c'est d'avoir un esprit de conquérant et de combattant. Un esprit de guerrier qui ne cède pas. Dis-moi amen. Mais il y a trop de gens. Oh, je sens une pulsion. Oh, je sens une main qui va vers les parties inférieures se promener. Non. Tu dis main. Oh non. Ah, ah, ah. Dis-moi amen. Sois un soldat. Pas un trouilleur. Non, bats-toi. Si tu es en Christ, si tu es en Christ et que tu as la foi dans ce que nul ne tiendra devant toi, tu sais quoi? Nul ne tiendra devant toi. Dis-moi amen. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi.
La troisième, c'est là. Oh non, c'est dur. Non, c'est pas dur. Prends ton âme. Tu dis, on va obéir. Et quand ça secoue, tu dis, au nom de Jésus, tu lâches prise. Je suis un palais divin. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dis-moi, amen encore. Lorsque tu contribues ainsi à la restauration de ton âme, alors, tu as remporté la bataille intérieure. Tu as remporté la bataille la plus difficile, la plus importante, la bataille pour le salut de l'âme. Et j'ai dit la semaine dernière que cette bataille doit absolument être remportée, faute de quoi tu ne pourras pas entrer dans la bataille extérieure que j'appelle le combat spirituel. Pourquoi? Tu ne peux pas. Tu dois d'abord vaincre en toi. Faire en sorte que le prince de ce monde vienne, mais qu'il n'ait rien en toi. Avant d'aller par le monde, par toute la création, chasser les démons. Moi, je connais des gens, ils ont voulu aller chasser les démons. Tous les gens que je connais, qui ont voulu aller prier pour les autres. Au nom de Jésus, cancer, sort! Tu peux le faire. Mais tous les gens qui ont fait ça, alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas triomphé à l'intérieur, même si l'esprit que tu as chassé là, il sort, il dit à ce soir. Et quand tu dors, tu vois que la nuit dans ton sommeil, toi, enfant de Dieu, quelqu'un te prend, il te fait judo. Bah! On te prend. Tu vois, tu as vu les dessins animés, on fait bam, 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 bam. Et les gens, ils dorment la nuit et puis on a tous les bastonnés. Bam, bam, bam. Et puis quand ils se lèvent le matin, ils sont courbaturés. Aïe, 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 aïe. Tu as expérimenté ce qu'on appelle des représailles. Chaque fois que tu vas attaquer Satan, il va riposter. Il y aura une riposte. La riposte ne t'a pas atteinte parce que Satan est fort. C'est parce que toi, il y avait une voie d'accès en toi. Mais Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. S'il n'y a rien et que tu es recouvert de la gloire de Dieu, environné de sa grâce comme d'un bouclier, et que toi, tu n'as pas donné accès à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'esprit de rejet, de culpabilité, d'amertume, de convoitise. Quand c'est barricadé, l'âme est au repos, possédée par le Saint-Esprit, il n'y a pas de tunnel. C'est pour ça qu'avant de combattre à l'extérieur, assure-toi d'avoir combattu et remporté à l'intérieur. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Ok. Je vais arrêter là. J'ai des notes. Je sens que je dois m'arrêter là. On va incliner la tête et prier. Alléluia. Élève la voix, rends grâce. Proclame la fidélité de Dieu. Proclame la parole sur ta vie. Élève la voix. Déclare la parole. Bénis le nom du Seigneur. Réveille l'audace à l'intérieur de moi. Oh, je t'en supplie, Père. Fais de moi un combattant, un conquérant avec Dieu. Un conquérant avec Dieu. Oh, Chakalamaya. Oh, je t'en supplie. Réveille ma foi. Réveille l'audace. Réveille la hardiesse. Réveille le courage. Réveille la ferveur. Réveille ton zèle. Oh, je t'en supplie. Sonde-moi, éprouve-moi. Là où il y a des fissures, là où il y a des trous dans mon âme, dans mon cœur, j'accepte d'obéir, j'accepte de coopérer.
j'accepte de collaborer avec le Saint-Esprit. Aide-moi, je t'en supplie, à obéir, à prendre le volant. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu peux? Si tu le peux, tiens-toi debout. Et je voudrais que tu commences à parler. Parle à ton âme. Parle à ces choses de ton passé qui ont tendance à revenir. Parle-leur. Si un tremblement dit au nom de Jésus, je suis le palais de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, un chef-d'œuvre de Dieu, Christ sur la terre. Mon âme bénit le nom du Seigneur, exalte son salut, proclame sa fidélité, proclame dans ta vie la capacité de Dieu. Et là où il y a une voix qui te disait, mais où est donc ton Dieu? Dis à cette voix, je déclare et je décrète que mon Rédempteur vit. Soldat de Christ, conquérant avec Dieu, le combat spirituel est une réalité. Dans ce combat, tu dois t'assurer que ton âme est restaurée. D'avoir une âme restaurée. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une âme et un cœur restauré? Réprime, ordonne, décrète, parle, parle, réprime, menace, déclare et décrète. Jésus-Christ, Jésus est le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon cœur. Renonce à l'impureté, renonce à l'immoralité. Non, tu n'es pas faible. Nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos emparer. Le monde constate qu'il y a quelque chose de pas normal. Il ne sait pas ce que c'est. Mais le monde, les experts, les médecins, les scientifiques, les psychologues, les psychiatres reconnaissent et constatent et ils attestent qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le cœur de l'homme devient de plus en plus méchant, devient de plus en plus mauvais. Le nombre de maladies mentales, dépression, paranoïa, névrose, psychose,
tentatives de suicide ne cessent d'augmenter. Et en 2005, la commissaire européenne à la santé a qualifié la dépression de tueur invisible de l'Europe. Elle a parlé d'un tueur invisible de l'Europe. Parce qu'on ne le voit pas. Mais on voit ses œuvres. On voit les dégâts qu'opère ce tueur. On voit les œuvres. Tentative de suicide. Suicide. Paranoïa. Folie. Stress. Psychose. Névrose. Et à chaque fois que les personnes qui sont sujettes à ce genre de choses, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce qui vous arrive, ces personnes ont toutes le même verdict. Elles disent, j'entends des voix, j'entends des voix qui me parlent, je sens que je ne peux pas me contenir. Une voix m'a poussé à faire ça, une autre voix m'a poussé à faire cela. J'ai des luttes à l'intérieur. Et lorsqu'ils parlent de leurs luttes, on les enferme dans des asiles. Et on dit qu'ils délirent. La vérité est que ces personnes vivent ce que la Bible révèle comme étant un combat, une lutte. La Bible révèle qu'il y a un combat qui a lieu. Il y a une guerre dans le monde spirituel. Les choses ne sont pas seulement naturelles. Comment une mère de famille peut se lever en plein milieu de la nuit, devenir folle et tuer tous ses enfants? Nous, nous savons, parce que nous avons la parole de vérité, et nous savons qui est derrière, et nous n'ignorons pas ses desseins. Et alors que le monde est désemparé, il a besoin qu'une génération se lève, un peuple se lève, et lui dire, nous, nous ne sommes pas intimidés, nous ne sommes pas surpris, nous savons qui est derrière. On l'appelle l'accusateur des frères, l'adversaire, le malin Satan. Et là où le monde et les gouvernements n'ont pas les réponses, voilà pourquoi ils les envoient dans les asiles. Le gouvernement de Dieu par le Saint-Esprit a la réponse. Et la Bible dit, Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et il chassait les esprits par sa parole. Mon mandat aujourd'hui, c'est de réveiller en nous l'esprit de combativité. Mûri et passe à l'étape suivante. Parce que sinon, tu risques de subir et de te sentir impuissant, exactement comme le monde. Mais non, tu n'es pas impuissant, parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu n'es pas faible. Mais ce combat n'est pas pour ceux qui ont vaincu à l'intérieur. Ceux qui sont vaincus à l'intérieur, il est pour ceux qui ont vaincu, mais ils sont capables d'aller et d'être des solutions pour cette génération. Des hommes et des femmes libérés pour libérer les autres. Transformés pour transformer le monde. Changés pour changer le monde. Fais de nous les réponses. Fais de nous réveille. Réveille l'esprit de combativité. Réveille l'esprit de audace, d'ardiesse, de ferveur. Tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi. Réveille la mentalité des conquérants. Réveille la mentalité des tueurs de géants, des faiseurs d'espoir, des franchisseurs de barrières, sœurs d'obstacles. Réveille ton peuple. Bâtis cette église resplendissante, victorieuse, triomphante. Elle est la seule à avoir les réponses.
sais pas ce qui se passe, mais le monde constate ce qui se passe. Il constate qu'il y a forcément des forces en présence qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Nous savons de quoi il s'agit. C'est un combat et Dieu a besoin d'une armée d'hommes et de femmes qui ont vaincu à l'intérieur et qui seront les agents d'impact et d'influence, de guérison et de transformation dans leur famille, dans leur quartier, dans leur environnement. Sers-toi de nous, réveille notre homme intérieur, accorde-nous la grâce d'entrer dans le repos, de guérir de cette âme et d'être prêt à en découdre. Parce que lorsque ton âme est guérie, tu peux aller conquérir et combattre avec Dieu et être assuré. Lorsque ton âme est restaurée, tu n'as pas de porte d'accès. Tu es intouchable, imbattable, inarrêtable, inébranlable, instoppable. Tu marches, personne, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà la parole qu'il a donnée à la génération Josué. Voilà la parole qu'il te donne. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne résistera. L'apôtre Paul savait que nous étions tous plus que vainqueurs. Il a écrit un texte dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Voilà le genre de passage que tu dois imprimer sur les tables de ton cœur. Paul a dit, gloire, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur, le parfum de sa connaissance. Gloire et grâce soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher. Je te vois toujours triompher au nom de Jésus. Et à travers toi, c'est le parfum de la connaissance de Dieu. Où que tu ailles, la connaissance de Dieu va avec toi. Des intimidations, des peurs, des phobies, des angoisses, des paniques, fini au nom de Jésus. Un peuple se lève, il ne se laisse plus faire parce qu'il décide de mûrir, il décide de franchir le Jourdain. Et ceux qui traversent le Jourdain pour aller à Canaan, ce sont ceux, c'est la génération Josué. Elle a mûri, elle n'est plus complexée, elle n'est plus intimidée, elle n'est plus arrêtable, elle n'est plus battable, elle est inarrêtable, inébranlable, ferme, solide, elle triomphe par la foi. À celui qui fait cette œuvre, qui l'a commencée et qui engendre un peuple de plus que vainqueurs, la race de Christ, la nouvelle création. À celui qui a commencé cette belle œuvre et qui la rendra parfaite. À l'alpha et à l'oméga, au premier et au dernier, au commencement et à la fin, au témoin fidèle et véritable, au rejetant de David, à l'agneau immolé, au seul qui était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. À sa majesté, le roi de gloire, celui sur la poitrine duquel il est écrit « Roi des rois » et
sur sa cuisse. Seigneur des seigneurs, à Jésus, le Christ, Dieu véritable et la vie éternelle. Sois honneur, sois louange et gloire, action de grâce, sagesse, puissance et force, souveraineté, domination, prépondérance, préminence, souveraineté. Y a-t-il une personne pour faire du bruit? Oh l'honneur! Oh l'honneur! Oh l'honneur! Oh l'honneur! Fais du bruit! C'est un cri de victoire! À celui qui a vaincu le diable, le serpent ancien, à Jésus le Christ, par notre louange, notre gratitude. De ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les puissances sataniques, autorité, domination, prince des mondes des ténèbres, esprit méchant, jamais ne prévaudront. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as accordé l'honneur et la grâce de t'appartenir et d'être désormais, par la nouvelle naissance, enfant de Dieu. Réveille notre esprit. Enseigne-nous la vérité. Délivre-nous des mensonges qui nous ont maintenus dans la peur, l'intimidation, les têtes baissées. Accorde-nous la grâce de relever la tête avec hardiesse, courage, audace, convaincu que Christ qui est en nous est supérieur, plus grand, plus large, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Ceci, une mentalité de conquérant, de combattant, de soldat de Christ, d'hommes et de femmes qui sont transformés pour transformer, changer pour changer le monde, influencer pour influencer positivement leur environnement et leur génération. À toi qui es suffisant pour ces choses, sois honneur, louange et gloire encore une fois. Reçois notre gratitude, Père, au nom de Jésus, le Christ, avec action de grâce.